L'émission Mariée au premier regard continue d'enchanter les téléspectateurs avec son concept unique. Dans le récent épisode de la saison 8, les spectateurs ont été plongés dans les aventures palpitantes des nouveaux participants. Parmi eux, Flo et Tracy, Alice et Florian, Jérémy et Marie, ainsi que Ophélie et Loïc ont captivé l'attention. Des tensions sont apparues entre Ophélie et Loïc dès leurs premières interactions. En effet, la séance photo traditionnelle a été émaillée de maladresse de la part de Loïc, ce qui a refroidi Ophélie. Durant le banquet, la timidité excessive de Loïc a accentué les malentendus, créant ainsi des tensions palpables. Les propos maladroits de Loïc, évoquant avoir passé le pire, ont profondément vexé Ophélie, qui a dès lors adopté une attitude distante. Face à cette situation délicate, Loïc a dû garder son calme, surtout lorsque les proches d'Ophélie ont souhaité le mettre en garde. La grande sœur de la mariée a exprimé avec fermeté « Ophélie a connu des relations pas toujours saines, alors ne nous déçois pas ». De son côté, la cousine d'Ophélie a exprimé son point de vue avec franchise « Malheureusement pour toi, la plupart d'entre nous, les filles, avons eu des expériences négatives », a-t-elle partagé. La mère de la jeune femme a ensuite pris la parole avec espoir. « J'espère que tu seras là pour nous redonner confiance en l'amour », a-t-elle confié. Face à cette pression, Loïc est déterminé à montrer qu'il est l'homme fait pour Ophélie. Il y a peu, Loïc a partagé sur sa story à Instagram une photo de leur couple. Il l'avait qualifiée de gênante. « L'amour se construit, il n'est pas le fruit d'une seule nuit, mais celui de toute une vie », a-t-il souligné. Plusieurs mois après la fin du tournage de l'émission, Loïc et Ophélie sont-ils toujours ensemble ? La question reste ouverte.